Voilà YouTube, on est parti pour faire la quête principale maintenant. Quand j'arrêterai de me tromper de bouton. On devait aller à Nir. Pour faire le discours d'Alphen. Oh! C'est un masque de fer! Oh, qu'est-ce que ce bordel? Normalement, les masques de fer, c'est dans les ruines de l'infrastructure où il y a eu les expériences sur les souverains. Qu'est-ce qui se passe? 誰か話を聞ける人を探そう。C'est très bizarre. Ils ont tous. Oui. C'est inutile de ne répondre pas. Mais que se passe-t-il? Peut-on leur retirer ces masques? Ils iront les retirer en dernier recours. Ces masques sont responsables de leur état léthargique. Qui sait ce qu'il adviendra si nous les enlevons sans précaution? Particulier. C'est très bizarre, c'est glauque. En plus, ils sont malins, parce qu'ils font ça de nuit. Ce qui fait que les masques étant sombres, ils ressortent mieux. Évidemment que c'est Nazamil. Elle peut activer les mausolées et tout. Elle peut activer les infrastructures régniennes. Ou daniennes. Calbezel, ok. Nouvelle organisation. ナザミルは何を始めようってんだ。あんな仮面で人間をデクノボーにして。 Être patient pendant qu'il prépare ses masques, du coup. Tiens, on n'était pas allé là-bas au Ganas House. Peut-être qu'on y est déjà allé, je sais plus. Dans le jeu de base, on y allait, mais je parle dans l'extension. C'est bien un mausolée.
C'est le mausolée où on était au début, c'est le premier mausolée. Dommage, t'es gentil, hein. C'est devenu une connasse. Elle pense faire ça pour le bien alors que c'est pas du tout bien. En route pour le Ganas Aros. Ah, c'est ça, on n'y était pas encore allé dans l'extension. Pour atteindre le Ganas Aros, vous devez utiliser le voyage rapide pour ainsi vous rendre jusqu'au bois de la cascade éclatante, mais aussi à Pelegion et Tislim. N'hésitez pas à faire quelques haltes pendant votre aventure. Ça veut dire quête secondaire, n'est-ce pas? Est-ce que j'ai eu des points? Pas du tout. Ah, je suis pas à niveau 85. Oh, il y a une quête extra, je pense. Une autre quête de Chion, une quête secondaire. On va commencer cette quête-là déjà, la quête de Kisara. La suite du coup de la quête de Kisara pour encore plus améliorer l'attaque bonus. Ou l'attaque de groupe. Elle est où précisément? Là-bas. Je pensais pas qu'il y aurait plusieurs quêtes d'amélioration. Et madame, vous avez déjà vu un gros poisson nager? Un gros poisson? Oh, j'en vois beaucoup quand je pêche, oui. Ah, c'est vrai, à la chance, ah, je n'en ai jamais vu, moi. Et je parie que mes copains non plus, d'ailleurs. J'adorerais aller voir un poisson dans l'eau, avec eux un jour. Je vois, j'espère que ton vœu se réalisera. Tiens, en parlant de rêve, tu ne songerais pas à construire un étang de pêche, Kisara? Tu t'en souviens? J'ai toujours une intention, j'ai même commencé à économiser. Une quête de pêche! Incroyable. Oh, vous allez faire un étang de pêche et il sera plein de poissons. Ah, trop cool. Le seul ennui, c'est que je n'ai pas encore trouvé l'endroit idéal. J'aimerais le bâtir dans une zone sécurisée de préférence. Dans ce cas, le mieux, c'est d'aller visiter différentes villes pour trouver l'emplacement parfait. Ça te tente? Je vais t'aider. J'accepte, j'apprécie cette offre, mais voyons. Yos. Je ne peux pas laisser passer cette occasion. Je pense que ça pourrait faire plaisir aux enfants. Allons chercher l'emplacement idéal. Ah, c'est fou. Ah, j'ai trop hâte de voir cet étang de pêche. Lorsqu'il sera achevé, j'espère que tes copains, que toi et tes copains viendront regarder les poissons nager dedans. Ah, bien sûr qu'on viendra. Ah, vivement. À la recherche d'une berge parfaite. Il y a vraiment une quête de pêche. C'est trop bien. Si on peut mettre les poissons dedans. S'il y a vraiment un mini-jeu de gestion avec choisir le poisson que tu veux mettre dans ton étang, ce serait trop bien. Ah, y a déjà un truc ici. Mais ici, on peut pas pêcher. Si c'est pas un bon endroit pour pêcher. Bonjour tout le monde, et qu'est-ce qui vous amène? Nous sommes là pour une affaire personnelle cette fois. Kisara, tu pourrais construire facilement ton étang ici, tu pourrais même passer de temps à autre. C'est vrai, tu pourrais également dispenser quelques conseils. C'est le lieu parfait pour faire des rencontres aussi. Avec toi comme professeur, les habitants de la ville deviendront des pêcheurs aguerris en un rien de temps. Vous envisagez de construire un nouveau bâtiment? Un nouveau bâtiment hyper moderne, beau et cool? Non, je voudrais construire un étang de pêche. Quoi? Un étang de pêche? Yada. Un étang de pêche? Ah, pour pêcher des poissons? Bah, ça a l'air trop dur, et ça m'intéresse pas. Du calme, je suis certain qu'ils ont leur raison pour vouloir construire ça ici. On n'a pas besoin d'un étang de pêche. Ah, pêcher, c'est trop nul. Ah, c'est un truc de vieux. Ce n'est peut-être pas à la mode, mais Kisara est prête à t'apprendre à pêcher. Désolé, ce n'est encore qu'une idée. Nous voulons d'abord avoir l'opinion des habitants avant de nous décider. Pardon de vous avoir dérangé pendant vos heures de travail. Bonne journée. D'accord, si vous êtes besoin de quoi que ce soit d'autre, faites-moi signe. C'est l'enfant qui l'a rembarré d'une violence.
En même temps, pourquoi tu voudrais mettre un étang en pleine ville? Alors. そうだな。お前の言う通りだ。それに子供たちに釣りの楽しさを教えるためにも釣り堀が必要になるかもしれない。あ、また釣り場所を探してみよう。Et ailleurs, c'est pêcher dans la neige, hein, pourquoi pas des poissons. Il y en a dans l'eau glacée. Mioboe no aru keshiki wa. J'ai pas des trucs à vendre. Anshin suru na. Ah oui, j'en ai plein des trucs à vendre. Hein? Non, c'est vrai que j'ai de l'herbe. Il faut bouffer l'herbe. Voilà, ensuite, je pense pas que les arbres que j'ai eues. Voilà. Elles sont pourries. Tout à fait. Pourrie jusqu'à la moelle. Sauf celle-ci. Mais tant mieux. Est-ce que j'ai de quoi créer une arme? Ça m'étonnerait, je vais pas farmer. Dans le Colisée, tu farmes pas. Tu gagnes rien dans le Colisée. Faudra farmer ces trucs-là, peut-être. Ça dépendra. Ma motivation. Bien. C'est assez paisible par ici. On pourrait y pêcher tranquillement. Voyons d'abord ce que les habitants pensent. Excusez-moi, à vous une minute. À vous, c'est toi qui m'as dénoncé la dernière fois. Quoi, une fois faudra-t-il que je te le dise? Je n'ai dénoncé personne. Qu'est-ce qu'il vous prend tous les deux? Êtes qui, vous? C'est une affaire entre lui et moi. L'êtes-vous de vos oignons? Je ne crois pas qu'il soit disposé à discuter pour le moment. Les Daniens trouvent toujours des raisons de se battre entre par ici. C'est pour ça qu'il leur faut un étang de pêche. Qu'il nous faut un étang de pêche. Ils pourraient aider les gens à se rapprocher. En se concentrant sur leur ligne, ils se détendraient et apprendraient à mieux se connaître. Quand on attrape des poissons, on est calme et concentré. Et le reste du temps, on réfléchit à comment attraper des poissons. On fait de l'introspection. En fait, on réfléchit à notre quotidien, comme si on entrait en méditation. Oh, incroyable! Tu ne savais pas que pêcher pouvait t'aider à se remettre en question. Même quand on repart bredouille, on apprend toujours quelque chose d'intéressant. C'est fantastique, pas vrai? Mmh. D'accord, mais si personne n'attrape de poisson dans les temps, je crains qu'ils ne finissent à l'abandon. Je suis désolé, je me suis emporté. Oublie ce que j'ai dit. Bon, bah c'est pas ici non plus. Ah, là, ouais, là. なかなか難しいものだな。だが、おかげで分かってきたこともあるぞ。釣り堀は安全に釣りを楽しめる場であるだけでなく、憩いの場や事故との対話ができる場にもなり得る。もしかしたら、私が考えていた以上に 釣り堀の役割は大きなものになるかもしれないな。Je suis épuisé, j'ai passé mon temps sur les chantiers, ce n'est pas une mauvaise journée, mais il fait si chaud en ce moment. Ulzbek manque toujours cruellement de provisions, il n'y a pas beaucoup d'animation non plus, je comprends que ce soit difficile. Ouais, dans ce cas, je pourrais peut-être installer mon étang de pêche ici. C'est un divertissement simple et accessible, les gens pourront manger le poisson qu'ils auront pêché. Sans compter que la simple vue d'une étendue d'eau peut apaiser l'âme, les travailleurs seront sûrement ravis. Vous avez parlé d'une étendue d'eau? Vous avez construit un grand étang par ici? Oui, enfin, ce n'est encore qu'une idée. Cependant, si ça vous tente, nous serions heureux d'en bâtir un ici. Oh oui, moi je vous en supplie. Je suis persuadé que ça fera l'unanimité. Vraiment, ça me ferait plaisir à moi aussi. Il fait tellement chaud. Je connais un paquet de gens qui adoreraient faire un petit plongeon. Non, ça serait un étang pour pêcher. Il ne serait pas recommandé de s'y baigner. Ce sera tellement merveilleux quand ce sera terminé. Nous construisons ton étang ici, qui servira juste de lieu de baignade. En effet, je vais y réfléchir.
Elle trouvera jamais son lieu parfait, hein. Elle jamais se baigner dans un temps de pêche. Maintenant, si. Le ranch. Pourquoi pas, après tout. Au final, elle va pas construire un temps de pêche. Ou alors elle va en construire un partout. Je vois, vous voulez pêcher, vous voulez construire un étang de pêche. Mais bon, vous n'arrivez pas à trouver le bon emplacement. Pourquoi ne pas le bâtir ici? Il sera au milieu de la nature et des animaux. C'est l'endroit idéal, non? Kisara, c'est le lieu rêvé. C'est vrai, je pourrais facilement m'y rendre, et il suffira d'engager une patrouille pour tenir les ogles à l'écart. Et cette patrouille pourra aussi assurer la protection du ranch. Vous feriez d'une pierre deux coups. Alors c'est décidé. Il ne reste plus qu'à finaliser les préparations du chantier. Non, attends. Au cours de nos voyages, j'ai trouvé d'autres emplacements qui m'intéressent. Ret aussi. Mais il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas. C'est vrai. Néanmoins, je pense que construire un temps dans ces lieux a aussi son importance. Je ne peux pas fermer les yeux là-dessus. Très bien. Dans ce cas, prenons le temps de réfléchir encore un peu l'endroit idéal pour construire ton étang de pêche. Non, tu ne m'as pas comprise. Ah, c'est ça. Je vais en bâtir un dans chaque lieu que nous avons visité. Ça coûtera plus cher, mais je trouverai l'argent. Dans chaque lieu, c'est ambitieux. Mais très bien, je soutiendrai jusqu'au bout, qui sera. Je peux vous filer un coup de main pour ce chantier-ci. J'ai l'habitude de travailler manuel. Merci. Je viendrai vous demander de l'aide en cas de besoin. Je ne dois pas abandonner un si bon chemin. Ceci dit, j'aimerais aussi avoir un coin de pêche dans l'océan un de ces jours. Où est-ce que j'en demande trop? C'est très bien de rêver en grand. 660 points de compétence, c'est bien, mais c'est pas assez pour acheter une seule foutue compétence. Essence d'invincibilité. Sauf que Kisara a parfaitement maîtrisé ses compétences et a dépassé ses limites. Ah, donc c'est ça le bonus, en fait. C'est quand tu finis toutes les quêtes de personnages. Ah, d'accord. Donc jusqu'à présent, mon attaque n'était pas renforcée. Ah, je comprends mieux. En même temps, c'est vrai qu'il n'y avait rien eu qui me disait que c'était renforcé. Renforcement des attaques bonus. Maintenant que vous avez terminé les deux quêtes annexes d'un personnage et obtenu son essence, les caractéristiques de son attaque bonus peuvent être renforcées. Les attaques bonus de chaque membre peuvent bénéficier de cette amélioration. D'accord, donc c'est juste mis dans l'inventaire. Ah, je me trompe dans mes boutons. Ça, je peux rien acheter, tout coûte trop cher. Si je peux acheter ça. Plus de coups critiques, tant qu'à faire. Bon, du coup, là, il y a une quête extra. Mais on va faire les quêtes de personnages, déjà. Toujours plus de dégâts, c'est important. Finalement, il n'y aura pas de temps de pêche, à mon avis. Hein. Non, je ne voulais pas aller là, je voulais juste voir si c'était le bon endroit. C'est là-haut. On va voir la finalité de la quête de Shion. Enfin, plutôt, la seconde quête de Shion. Quête de cuisine, évidemment. Ah, bienvenue. Envie de pain tout chaud? On a des échantillons gratuits de nos nouveaux donuts de Gladys. Servez-vous tant qu'il en reste. Ah, c'était la suite de la quête de Cole. Ben non, du coup, c'était dans la quête de la première quête de Shion.
Et voilà pour vous. Allez goûter. Ah, merci bien. Je croyais que les donuts de Gladys étaient une spécialité locale de la Calaglia. Oh, vous êtes connaisseuse. Nous avons négocié avec la Calaglia afin d'obtenir la permission d'en fabriquer et d'en vendre ici. On a la permission de les produire et de les vendre. Ah, pas vrai, papa? Tu es si jeune. Mais tu as l'air de savoir de quoi tu parles. Ton aide doit être très précieuse pour ton père. Oh, c'est sûr. Mes filles sont les meilleures. Seulement, j'avais espéré que mes donuts se vendraient mieux que ça. Ora? Ah bon? Donuts sont très populaires en Calaglia. Ils se retrouveraient vite en rupture de stock là-bas. C'est à cause du froid qui règne en Cislodia. Les donuts durcissent et perdent leur texture moelleuse. On essaie d'aider papa à améliorer la pâte. Ah mais rien n'y fait. Si on arrivait à l'améliorer et à augmenter nos ventes, ce ne sera pas juste la boutique, mais toute la Calaglia qui en profitera. Pourquoi ne demandez-vous pas directement au créateur des donuts de Gladys? Ah, c'est un homme très gentil. Je suis certaine qu'il trouvera une recette parfaite pour les températures glaciales de la Cislodia. Ah papa, allons lui demander, lui en parler. Mais je ne peux pas laisser la boutique, nous devons toujours servir nos clients réguliers. Seulement une âme charitable pouvait aller le voir de notre part. Pourrons y aller pour vous, si vous voulez. Vraiment? Oh, ce serait fort aimable. Ah, merci beaucoup, mademoiselle. Apprenez ce pain en échange. Ah, ma sœur et moi, on l'a fait nous-mêmes. C'est alors, nous sommes même payés en avance. D'avance. J'espère que nous serons à la hauteur. La température idéale. Bah, c'est parti. Hein. Et ma recette a fui. Ah oui, du coup, c'est Gourdeno. Ah oui, je me disais bien, on n'avait pas de quête avec Gourdeno. Et ça y est, on va enfin revoir Gourdeno. Sauf qu'étant donné que j'ai plus de recettes d'XP, je vais en reprendre une. On aura sûrement des monstres à les taper. Je veux mon bonus d'XP. Une sénette. Le moment de gêne. Le moment de solitude. なんか手をひらひらさせながらつぶやいてるあたりから。最初からじゃない。ひどいわ。すまない。そんなに怒るようなことだったか。親しき仲にも礼儀あり。なんであれ、覗き見は良くないぞ。だが、シオンもそう照れることもないだろう。私もたまにすることがある。キサラも。ああ。 釣りで小さいのが釣れた時に、つい上げるところを想像してしまったりな。っていうかキサラも覗いてたんじゃん。わかるわ。みんなで旅をしてた時の記憶で、近くにいるのが当たり前って思ってしまうのよね。それでいないんだってわかると、なんとも言えない気分になるな。他のふわふわしたもので試したけど、やっぱりそれじゃダメなのよね。うん。 あれはそういうことではないからな。二人ともさっきから何の話をしてるんだ。フルルル。ねえねえ、何の話？ええ、わら、だからこのパール。そういうことか。さっきのはフルルをなでる練習。な、そんなに好きならリンウェルに頼んでしばらく世話をさせてもらったらどうだ。そういうことじゃないのよ。 分かってないわね。アルフェンもまだまだだな。フルルをなでたいってこと？フルル、いいよね？フル。そう。じゃあ遠慮なく。お、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 
Non. On va prendre la recette de l'XP. Ah, j'ai pas trouvé d'aura de mytho. Donc voilà. J'ai l'artefact pour les recettes. Enfin, un des artefacts pour les recettes. On a un peu de niveau avant. Même si ces trucs n'arrêtent pas, c'est trop relou. Hop. Ils auront tous pris. Ah, 1000 d'XP, 1500. Pas mal. Dans son dos, parce que je ne suis pas ventru. Salaud, j'attaque les ennemis dans leur dos. J'ai rien fait. J'ai fait n'importe quoi. On va même aller choper le poisson. Ça fera toujours du poisson. On a dit que ton droit ce sera dans la haute mer. Allez, Gourdeno. Ah, voilà. On a besoin de vos conseils pour améliorer la pâte des donuts de la Cisloidio. Je ne m'attendais pas à ça, mais je vous écoute, que se passe-t-il ? Intéressant, j'ignorais que les donuts de Gladys souffriraient de la météo. C'est fascinant. Vous savez, hein, si on pouvait résoudre ce problème, ce serait tout bénef pour la Calaglia et la Cisloidio. Je m'en fiche de ça. Ce qui m'intéresse, c'est de créer une nouvelle douceur au potentiel inexploré. Ça ne m'étonne pas de vous. Auriez-vous des conseils à nous donner ? Je vais réfléchir. Un gourmet doit savoir se réinventer. Mais voyons. Peut-être. Taillé. J'ai trouvé. Alors cette parfaite pour la Cisloidia, ce serait des Kumadés de Riville. Des Kuma quoi ? Des Lukumades de Riville. Je vais essayer de quelque chose basé sur les Lukumades. Écoutez bien. En apparence, ils ont l'air de donuts normaux. Mais la pâte est plus collante et moelleuse. Elle ne devrait pas durcir malgré le froid de la Cisloidia. Oh, ça fera sûrement l'affaire. Et tout comment faire ? Bien sûr, mais d'abord vous devez les tester. Et pour cela, j'ai besoin d'ingrédients pour les cuisiner. D'accord, nous allons vous chercher tout ça. Dites-nous ce dont vous avez besoin. Mais quel enthousiasme ! Mais je comprends, les donuts, c'est la vie. Hein. Revenez me voir dès que vous aurez tout trouvé, et je vous ferai découvrir une nouvelle expérience culinaire. Oh, vous pouvez utiliser les ingrédients qu'on a ici pour faire un essai. Et tout ce qu'il vous faut. Oui, c'est parfait. Donnez-moi quelques minutes que je les prépare. Que je les prépare. Et tada. Préparez-vous à savourer une toute nouvelle expérience culinaire. Oh, j'ai hâte. Cette texture. Oh,
C'est les donuts les plus tendres que j'ai jamais mangés. Ils ne devraient pas perdre leur moelleux malgré le froid qui règne en Cislodia. Merci, gros dénon. Les pâtissiens de Cisloden seront ravis. Et Shion, si on en ramenait, si on ramenait quelques donuts aux petites pour qu'elles puissent y goûter. Mais dans ce cas, on devrait en faire d'autres. Ah, merci, Gourdeno. Mais c'est beaucoup de travail pour vous. Laissez-nous vous aider. J'approuve cette idée. Il reste des ingrédients, alors lançons-nous. Allez, préparons des donuts. Et voilà. Mais je crois qu'on a exagéré sur les quantités. Mieux vaut trop que pas assez. Apportons-les à Cisloden. Doucement. Il vous reste une dernière chose à apprendre. Ah bon? Mais quoi donc? Il s'agit de la partie la plus importante. Votre attention. Parfait. Semez. Et... absolument. Délicieux. Tout va bien. Oh, la cuisine m'a donné si faim que je n'ai plus d'inspiration. Enfin bref, laissez tomber. Je trouverai un slogan accrocheur pour ces donuts la prochaine fois que vous viendriez. Il est un peu spécial, hein. Mais il n'y a pas meilleur gourmet que lui. Allons partager nos donuts avec les jeunes filles de la boulangerie. L'incroyable famoso Gourdeno. Toujours... toujours incroyable. Le meilleur Gourdeno. Nous avons trouvé la recette parfaite. Et bien sûr, nous avons rapporté quelques donuts pour vous montrer. Tu veux goûter? Ah, merci beaucoup, mademoiselle. Ah, ils ont l'air délicieux. Ils sont hyper moelleux. C'est trop bon. Ils devraient résister aux températures de la Cislodia. Parfait. Tous nos efforts n'ont pas été vains, n'est-ce pas, Shion? Je n'ai pas fait grand-chose. Au fait, où sont ton père et ta sœur? Ah, ils sont allés se réapprovisionner. Je surveille la boulangerie en attendant. Ah oui, nous leur avons ramené des donuts à eux aussi. Tu pourras les leur donner. Ah, oh, ça en fait beaucoup. Vous êtes comme une vendeuse de donuts. Quand j'y pense, ce serait amusant de préparer de vendre des versions différentes des donuts de Gladys, adaptées à chaque région. Je suis une vendeuse de donuts. Je suis sûr qu'Alphen serait partant. Quoi? Quoique, eh bien, oui, pourquoi pas. Bref, il nous reste encore des donuts. Qu'allons-nous en faire? Ah, je sais, certains clients qui sont passés la dernière fois espéraient pouvoir goûter aux donuts de Gladys. Ils viennent d'un endroit appelé Pelegion. Ils voulaient qu'on vende nos donuts là-bas. Shion, on pourra apporter ces donuts à Pelegion. Oui, tu as raison. Masaka. Shion. Nama. Mauvais goût. C'est vrai que je suis jamais allé à Pelegion en vrai. Parce que Pelegion, c'est la zone de la suite de l'histoire. Normalement, ça devrait pas déclencher la quête principale. Ah non, le lore pas dans la quête, pas dans le temps de chargement. Comment on entre à Pelegion déjà? Non, je sais pas, des petits coffres, évidemment qu'il y en a. Comme ça, moi. Niveau 2. Quoi?
Pas mal du tout. La quête est là-bas. Musique qui fait tellement donjon de fin. Est-ce que tout va bien? Pourquoi nous regardes-tu ainsi? Tu n'es pas du genre bavard, toi? Je doute qu'ils nous répondent. C'est malheureux, mais la plupart des gens qui viennent de l'Enegis se méfient toujours de nous. Je sais, les enfants doivent nous voir comme les méchants. Pourquoi nous sommes responsables du bien-être de ce garçon? Nous devons l'aider. Tu ne peux pas faire grand-chose à l'heure actuelle, mais... tu veux ce donut, ça? Un donut? Ah pour moi? Ah pourquoi? Et si nous apprenions à nous connaître? Ce n'est pas une raison suffisante. Et comment tu t'es senti en me parlant? Ça t'a fait peur? Ah non, pas du tout! Dans ce cas, je serais ravi que tu acceptes ce donut. Quand on a l'estomac bien rempli, ça donne chaud au cœur. Ah d'accord, ah juste une bouchée alors. Ah t'as raison, ah c'est trop bon. Le sûr, est-ce que ça te plaise? Tiens, pour en emporter pour ta famille. Ah merci! Je crois que tu as réussi à plaiser ce garçon. Quelque chose te soucie, Shion? Avant, j'avais peur de tendre la main aux gens. Par malheur, je les effleurais en leur donnant quelque chose, je les blessais involontairement. Mais les choses ont changé. Sa main était si chaude. C'est le donut que tu as préparé qui a réchauffé son être. Ça lui a donné du baume au cœur. J'espère que tu as raison. Il a marqué quelque chose, les enfants semblent apprécier, tu ne trouves pas? Ah bon? C'est sûrement parce que les donuts étaient réussis. Je suis heureuse d'avoir pu partager la culture culinaire de la Calaglia à travers le monde en transmettant à tant de gens de mes propres mains. J'ignorais que le contact humain pouvait être si chaleureux. Oui, et cette chaleur ne te quitte jamais. Par contre, j'imagine que le partage de donuts est terminé. Ce qui me fait penser que je n'ai même pas encore goûté. Je n'ai même pas encore goûté. Assure-toi, je t'en ai mis de côté. Ah, merci. Oh, j'en mangeais un tout de suite. Mais c'est excellent! Les efforts que tu as mis dedans leur donnent un goût encore plus sucré. Tu exagères un peu. Mais j'admets qu'il n'est pas désagréable de rendre les gens heureux. Je commence à avoir un bon carnet de recettes. Je devrais organiser un festin avec tous nos amis la prochaine fois. C'est une excellente idée. Peut-être vas-tu préparer le moment venu. Je vais perfectionner de délicieuses recettes alors. Ainsi, je pourrais cuisiner et manger ce que je veux et quand je veux. Je me disais bien que ça cachait quelque chose. Mais je suis rassuré de voir que tu peux toucher les gens, physiquement et émotionnellement, à travers la gastronomie. 840, là par contre. Ah là c'est bien. 840 points de combat. Sion donuts, c'était vraiment délicieux. Les enfants sont heureux. Merci. Anne... アルフェン、もしもよ、もしもの話なんだけど、私がドーナツ屋をやりたいって言ったら、あなたはどう思うかしら。え、シオンが？違うわよ。本当にやりたいってわけじゃなくて。Elle veut devenir boulangère。ただ、リンネルから言われたことを思い出したの。Y a pas de mal。シオンがドーナツ屋をやるなら、j'ai commencé à allumer, il fait nuit à ce soir-ci, quasiment。そういうことか。En plus, le ciel est couvert, ça n'aide pas. Limbel no itta koto ga seikai da na. Ore wa Shion ga yaritai koto o ouen suru shi. Tetsudaeru koto ga aru nara, nan datte tetsudau sa. Alfen, sore tte. Kedo, moshi yaru nara, ore mo jibun de tsukutta donutsu o itte mitai. Évidemment. Chotto, Alfen. Sou da Shion, karai donutsu nante dou da? Tu sais pas cuisiner, Alfen. Imamade zanshin na donutsu ni naranai ka? はあ? そんなのダメよ。私の店なんだから、私が美味しいと思うドーナツしか売らないわよ。それなら、シオンが美味しいとうなる辛いドーナツを作ってみせるさ。まったく。あなたにはかなわないわね。お互い様だろ。それで、俺はシオンのドーナツ屋で雇ってもらえるのか？そうね。考えておいてあげるわ。Essence de mauvais œil. Preuve que Shion a parfaitement maîtrisé ses compétences, a dépassé ses limites. Le régé. Pour finir ce titre. Toujours plus de dégâts contre toujours plus de points de vie. Je peux
J'espère que ça. Mais ce titre. On va reprendre du début, hein, les quêtes secondaires. Alors la quête extra, je vais la prendre en dernière parce que ça a l'air d'être long. Donc on va aller au Sisloden, on va aller à la planque de Brégançon. Il y a une quête annexe. Oh, le coffre, je l'avais pas vu. J'ai passé à côté. Habit de volonté. Habit dont le tissu est empreint de détermination. Son porteur est animé d'une immense volonté, lui permettant de surmonter n'importe quelle épreuve. C'est pour Rinuel, ça, non, en plus. Ouais, c'est meilleur. Oui, on voit peut-être que si je... Il y a un problème. On peut vous aider si vous voulez. Si vous le voulez. Et c'est reparti. Alors, tu ne peux pas proposer ton aide alors que tu ne sais même pas ce qui se passe. Désolé de vous embêter. Ce n'est rien de grave. Je manque juste d'un peu de fil. De fil? Pour faire quoi? Je pensais reprendre la broderie. J'aimerais faire de jolis motifs avec du fil de différentes couleurs. Oh, c'est super. C'est une super idée. Il va falloir pas mal d'adresses pour un ouvrage qui demande tant de précision. Bon, c'est sûr, mais dans le temps, j'utilisais mes travaux d'aiguille uniquement pour transmettre des messages en tant qu'espionne. Vraiment? Oh, c'est une excellente idée de s'en servir sur les habits à la place. C'est un truc qui devrait te plaire, Rinuel. Je pourrais que tu serais étonnamment doué. Comment ça, étonnamment? Je pense que je m'en sortirais toujours mieux que toi, Lo. Oh non. Ne me juge pas si vite. J'ai peut-être un talent caché, moi aussi. Avec un peu d'entraînement, vous pourriez vous débrouiller aussi bien que les habitants de la Sisloden. Hein? Mais quel rapport avec le fait de vivre en Sisloden? Il neige beaucoup en Sisloden, donc les gens passent beaucoup de temps à l'intérieur et deviennent très doués pour les travaux manuels. Bref, les gens d'ici se disent qu'il serait intéressant de développer l'artisanat afin d'en faire une spécialité du coin. Ah, c'est une super idée. Certaine que l'artisanat pourrait devenir un des points forts de la Sisloden. Et si on essayait nous aussi? Ah, ça me va. Ça pourrait également aider à renforcer les échanges commerciaux avec les autres régions. Enfin, je ne suis pas sûr que mon opinion ait vraiment de la valeur, vu que je suis en partie responsable de la situation actuelle. Ne dis pas ça. N'oublie pas que c'est aussi grâce à toi que la Sisloden peut se projeter dans l'avenir. Elle a raison, cependant. Si nous voulons nous lancer dans l'artisanat, le manque de fil va poser problème. Peut-être qu'on pourrait rassembler les matériaux pour fabriquer du fil. T'en penses quoi, Lo? Ah ouais, ça va être un jeune enfant. Ça m'aiderait beaucoup. Ah, je vais vous noter tout ce dont j'ai besoin. On a déjà ce qu'il nous faut, non? Ça nous évitera de partir en vadrouille pour en trouver. Est-ce que ça suffira? Ah merci, ça devrait suffire. Peut-être que je devrais en profiter pour proposer un cours de broderie à Bregon et aux autres. Attendez, Bregon brode aussi? J'ai commencé à lui apprendre. Il est plutôt doué, étonnamment, et il avait l'air de s'amuser. Je vois. J'espère que ça se démocratisera dans toute la Sisloden. Ah, ça aiderait peut-être les habitants à discuter, à mieux s'entendre. Dans ce cas, je vais donner un cours aux habitants. Ça devrait nous rapprocher de notre objectif de développer l'artisanat. Peut-être que je viendrai moi aussi. Allô, tu étais sérieux quand tu disais que tu avais un talent caché? Pas vraiment, c'est juste que je veux faire tout ce que je peux pour cette région. Ah, je comprends. Je viendrai vous aider également, le moment venu. J'ai bien envie d'essayer la broderie aussi. Et je ne veux pas que l'eau soit meilleure que moi. Qu'est-ce que tu racontes? Tu es libre de faire ce que tu veux. Vous avez l'air très proches tous les deux. Eh bien, j'ai encore plus d'élèves maintenant. Je devrais me hâter de me préparer aussi. C'est une quête de reconstruction. Donc c'est une suite de quêtes. D'ailleurs, je peux rien acheter. Ah, je peux terminer pour faire ça.
ajouter faire ça. C'est vrai qu'il y avait la quête de l'eau ici. On va faire la quête secondaire avant. Parce que la quête de l'eau, ça va être encore beaucoup de dialogue, donc... En plus, c'est la première quête de l'eau, je crois, et pas la seconde. Donc d'abord la quête secondaire. きっと可愛くなるだろうし。俺はこうなんかかっこいい感じのやつにするか。ローはまず頭の中で具体化しなくてはな。だが今から完成品が楽しみだ。二人とも期待しているぞ。 C'est bon ? Bon, qu'est-ce que je devrais faire ? Hein ? Hé, hey, Alphen ! Tu as l'air d'avoir quelque chose en tête. Qu'est-ce qui se passe ? C'est juste que Tilsa n'est pas revenue depuis longtemps. Elle n'est pas revenue ? Est-ce qu'elle va bien ? Eh bien, elle ne s'est pas aventurée dans un endroit dangereux, mais... Comme tu le sais, elle se concentre sur le soutien qu'on apporte à Pélégion depuis un moment. Toujours est-il qu'elle revenait de temps en temps pour récupérer des provisions et prendre des nouvelles. Tu veux donc dire qu'elle n'est juste pas rentrée depuis un moment, c'est ça ? Oui, j'imagine qu'elle a été prudente et qu'elle n'a pas été attaquée par des ogles en chemin. Mais il s'est peut-être passé quelque chose. Mais oui, tu penses pouvoir aller voir comment elle va ? Je ne veux pas vous forcer à quoi que ce soit, mais vous êtes si fort que les ogles ne vous inquiètent pas, donc... Wakatta. Compris, on s'en charge. Ah super, ah merci. Ah, ça me rappelle. Grenard a dit qu'il avait besoin d'aide pour quelque chose d'important lui aussi. Grenard, c'est noté, nous passerons le voir plus tard. Désolé de vous demander tant. De vous en demander tant, et merci. Une suite de quêtes. Être passionné de Grenard. Tilsa, daijoubu nano kana? Tilsa nara shitteru. Pas censé aller voir ailleurs. Tinpai iranette. Neazu no yutori. Mukou no shigoto ga isogashii nda ro. Tonikaku wa Grena. Mazu wa Ganaru no hanashi o kiki ni itte miyou. Nani ka yōji ga aru rashii kara na. Est-ce qu'il veut ? Ya. Grena, Neisa dit que tu avais besoin d'aide pour quelque chose. Ah, en effet. C'est assez sérieux, donc je ne peux demander ça qu'à quelqu'un en qui j'ai entièrement confiance. Et tu penses pouvoir me faire confiance ? Vu que ça s'appelle la lettre de Grenard, peut-être une lettre d'amour, une lettre passionnée, je suppose que tu feras l'affaire. Allez, je m'en remets à toi. Nani ? Une lettre ? Nani ? Nani ? Oui, donnez-la à Tilsa et assurez-vous de la lui donner en main propre, c'est compris. Et surtout, ne la perdez pas et ne la confiez à personne. Cette lettre est de la plus haute importance. J'y ai mis toute mon âme. On dirait bien, en d'autres termes, c'est une lettre d'amour. Non. Quoi ? Ah non, je veux dire... Ah ! Vu ta réaction, Shion doit avoir raison. Je ne peux décidément rien vous cacher. Mais oui, c'est bien ça, c'est une lettre d'amour. C'est pour ça que j'ai besoin d'aide. Est-ce que vous pourriez donner ça à Tilsa et me dire comment elle aura réagi ? Pas de soucis, on comptait déjà aller voir Tilsa de toute façon. Ah merci, c'est par malheur, elle venait à me conduire. Pleure avec moi, le fun ! Non. Tu peux faire ça tout seul. Pourquoi elle pleurerait sa dépression, ta dépression Oui, pleurerait ta dépression, c'est ta dépression à toi, c'est pas la sienne. Ah, là, il n'y a pas de l'or. Eh bien, direction... Pélégion. Mi-oboe-no-aru-keshiki-wa... 安心するな。Bah, là, Tilsa, elle a l'air de bien aller. Non. Tilsa, tu es donc ici. Oh, mais regardez qui voilà. Alphen, tu me cherchais. Il n'est pas rentré à Ulzbek depuis un moment. Neis nous a demandé de vérifier que tout allait bien. Ah oui, maintenant que j'y pense, je n'ai pas pu le contacter dernièrement. Tu as rencontré des problèmes ? Pas vraiment, j'étais juste occupé. Cette ville pullule de gens rongés par l'anxiété. La situation a toujours l'air tendue entre les Daniens et les Réniens à Pélégion.
Leurs lieux de vie ont été séparés, ce qui a permis de réduire les conflits. Mais cela n'a pas suffi à apaiser les tensions. À ce sujet, tu t'y connais aussi en santé mentale, pas vrai? Oui, c'est pour ça que je suis aussi occupé ici. C'est aussi pour ça que je ne suis pas beaucoup revenu à Ulusbeck récemment. Ah oui, d'ailleurs, on a reçu une requête à Ulusbeck. Mais qu'est-ce que c'est? Nous avons en notre possession une lettre de la part de Grenar. C'est important, il aimerait que tu la lises. C'est... Il nous a aussi demandé de lui transmettre ta réponse. Prends le temps de te décider une fois que tu l'auras lu tranquillement. Je n'ai même pas besoin d'y réfléchir. Oui, j'accepte volontiers. Quoi? Sérieusement? Bien sûr. Je serais plus que ravi de recevoir des provisions. Et tu lui envoies tout ce qu'il peut. Instant des provisions. Qu'est-ce qui t'écrit sur la lettre? C'est une liste de provisions qui peuvent être envoyées à Ulusbeck. Que pensez-vous que c'était? Grenar, tu nous as donné la mauvaise lettre. Oh, j'aurais dû recevoir une autre lettre. Le pauvre n'a jamais été très doué pour s'organiser et prendre les devants. Je suis navré pour tout ça. Je rentrerai au Ulusbeck dans quelques jours. D'accord, ça nous prévenir Neis et Grenar. Shion qui en a marre. Allez, elle va péter un câble, Shion. Shion qui est en mode bordel de mort. Bordel de bordel. Grenar, nous lui avons donné ta lettre. Et donc, quelle est sa réponse? Elle dit qu'elle attendait la livraison des provisions. Hein? Allez, comment ça? Elle a reçu la mauvaise lettre. C'était une liste de provisions à livrer. Non! Mais elle aurait passé la lettre que j'avais adressée à Tilt, ça. Mais comment veux-tu que je sache? À qui voulais-tu envoyer cette liste de provisions? Oh, mais oui, j'ai dû l'envoyer à la personne en charge de l'approvisionnement de la Cislodia. Tu n'arranges pas ton cas. Oh non, je devais la récupérer aussi vite que... Non, le plus urgent, c'est d'envoyer la liste de provisions au bon destinataire. Je dois préparer une livraison de provisions pour Pelagion aussi. Alors je... C'est sans espoir, pleure avec moi, le fun. J'ai compris, ça va, calme-toi. Pour le moment, essaye de contacter la personne en charge de l'approvisionnement. Oui, bon sens, Rick. Si ça va tellement m'en vouloir. Eh bien, oui, c'est possible. Au fait, nous devons avertir Neis. D'accord, on se voit plus tard. Peut-être qu'il tourne en rond. Yeah. Neis, nous avons vu Tilsa. Ah, vous revoilà. Comment allait-elle? Elle va bien, elle est juste très prise par son travail. Je vois, la situation à Pelagion ne doit pas être de tout repos. Je suis heureux de savoir qu'elle va bien. Elle a dit qu'elle reviendrait à Ulusbeck dans quelques jours. Quand tu la verras, pense bien à la remercier pour tous ses efforts. Entendu, et merci d'avoir fait tout ce chemin. En fait, de quoi Grenar avait besoin? Eh bien... Ce n'était qu'une commission de rien du tout. Nous nous en sommes chargés pour lui. Ah oui, je n'arrive pas à croire qu'il vous refourgue du travail qui lui incombe. Vous savez que vous n'avez pas accepté toutes les requêtes qu'on vous fait, hein? Oui, mais je veux rendre service. Ou, genre, autant que possible. Je m'en veux un peu d'être incapable de m'investir davantage dans les missions des Corbeaux Rouges. Tu plaisantes, j'espère. Ne te blâme pas de la sorte. Où que tu sois, tu feras toujours partie des Corbeaux Rouges. Je n'hésiterai pas à te demander de l'aide dès qu'une tâche ardue requiert tes talents. D'accord. À plus tard. Pas de soucis, et merci pour ton aide. L'argent rentre. Ça, c'est bien. Ulusbeck est devenu un endroit confortable et agréable à vivre. Et tout ça, c'est grâce à vous tous. J'aurais aimé que Zephyr puisse voir ça. Il serait épaté de voir à quel point la ville s'est embellie. Ce n'est pas uniquement grâce à nous. Les Corbeaux Rouges ont également grandement contribué à cette mission. C'est vrai. La ville a tellement changé ces derniers mois que je ne la reconnais plus. Elle n'a plus rien à voir avec ce qu'on a connu au départ. Et on compte bien continuer sur cette lancée. En fait, Grenar, donne-leur leur cadeau. Ah oui, c'est pour vous remercier, tenez. Bien sûr, merci à vous deux. Ça nous sera très utile, nous en ferons bon usage. Revenez nous voir si vous avez besoin de quoi que ce soit. Vous serez toujours les bienvenus ici. Oh, de l'herbe rouge. Oh, de l'argent. Oh.
C'est-à-dire que j'ai fini les quêtes de reconstruction de la Glia. そうね。でも国によって進み度合いも違うし、各国ならではの問題もあるわ。レナとダナの融和もまだ始まったばかりだ。課題は山積といったところか。でもさ、これからどんな世界になるんだろうって、ちょっとワクワクしてるんだよな。希望を持つのは良いことだ。ビスキントのように各国の美しい街並みが見られるかもしれないな。ダナとレナの文化が融合して、見たこともない本とか道具が作られるかも。誰も食べたことのない料理ができるかもしれないわ。あ、すごく斬新で綺麗な服とかも。ああ、これからはここに生きる一人一人が希望を抱けるようになっていくんだ。そのためにもなすべきことをなして、 世界の復興と安寧を実現せねばならんな。もちろん、やれることはバンバンやっていこうぜ。そういや大将は新しい世界で何が見てんだ。うん、強いて言えば新時代の楽器か。常々管楽器と弦楽器と打楽器を一つで賄える楽器が作れないかと考えていた。さすれば 新たな総額の扉も開けよう。その扉は Mais certaines sont très difficilement réalisables. L'herbe. Et les points de compétence. Je peux terminer cet arbre. Voilà. Termine celui-là. J'en vois le beau finalement des compétences. Hein. C'est quand même relou que l'extension te les réinitialise. De l'eau, deux quêtes secondaires. Enfin, la quête de l'eau. Quoi ? Il y a la quête de Dohalim qui est apparue ? Ah oui. Sauf qu'elle n'est pas marquée, j'imagine, parce que les deux quêtes de personnages se superposent. Je vais la quête de l'eau en premier. Mais ce sera dans la prochaine VOD, évidemment, YouTube. Hein.